Orthographe. Les lettres finales muettes. Cours de poursuite à distance réalisé par Hanan Moussa. Les lettres finales muettes. Sûrement vous avez remarqué qu'il y a des lettres qui ne se prononcent pas à la fin de quelques noms ou quelques adjectifs. Ces mots s'appellent les lettres finales muettes. En fait, il y a deux astuces pour trouver la lettre finale qui ne s'entend pas à la fin d'un mot. Premièrement, il faut mettre le mot au féminin quand c'est possible. Exemple, renard, renarde. Alors dans ce mot, on ne prononce pas la lettre D. Écoutez, renard. Alors c'est dans le mot renarde qu'on découvre qu'il y a la lettre D. Blanc, blanche. Dans le mot blanc, on ne prononce pas le C. Mais quand on le met au féminin, on découvre qu'il y a la lettre C. Charmant, charmante. Dans le mot charmant, on n'entend pas le T à la fin du mot. Mais grâce au féminin charmante, on sait qu'il y a la lettre T. Long, longue. Dans le mot long, on n'entend pas le G. Mais quand on le met au féminin longue, on découvre qu'il y a la lettre G. Deuxièmement, il faut chercher un mot de la même famille. Exemple, tapis, tapisserie. Alors, dans le mot tapis, on ne prononce pas le S. Mais quand on donne un mot de famille tapisserie, on découvre qu'il y a la lettre S. Froid, froideur. Dans le mot froid, on n'entend pas le D. Mais quand on donne un mot de famille froideur, on entend la lettre D. Toit, toiture. Alors, on entend la lettre T dans le mot toiture. Rang, rangé. Dans le mot rang, on n'entend pas la lettre G. Mais dans le verbe ranger, on découvre qu'il y a la lettre G. Les lettres finales muettes. Les lettres muettes, en principe, sont E, T, D, S, P, C, X, H, G, Z. La lettre H muette vient souvent au début du mot comme hôtel. Toutes les voyelles se prononcent, sauf le E à la fin du mot. Il ne se prononce pas. Exemple, table, porte, cartable, pelote, fenêtre, etc. Exception. Les petits mots comme je, me, te, ce, le, ne se prononcent. E, ES, ENT à la fin des verbes ne se prononce pas. Exception. ENT à la fin des noms se prononce. Exemple des mots qui contiennent une lettre finale muette. J'ai choisi T, S, D, X, C, P. Mais attention, même ces lettres peuvent parfois se prononcer à la fin des mots, comme
autobus, sac, top, etc. Voici quelques exemples des mots qui se terminent avec T final muette. Chat, rat, maillot, toit, escargot, fruit, éléphant, tricot. Et voici les mots qui se terminent avec S qui ne se prononce pas à la fin du mot. Tapis, repas, matelas, brebis, souris, gris, bras, radis. Maintenant, on passe à la lettre D qui ne se prononce pas à la fin du mot. Exemple, canard, lézard, renard, nœud, guépard, nid, léopard, pied. La lettre X muette à la fin des mots. Exemple, perdrix, vieux, pris, époux, croix, tout, noix, voix. On passe maintenant à la lettre C muette à la fin du mot. Bon, tronc, bro, tabac. Et P muette à la fin des mots. Voici quelques exemples. Loup, champ, sirop, drap. Exercice. Mets les mots suivants au féminin pour trouver la lettre finale muette. Fort, blond, gros, chaud. La deuxième consigne. Donne un mot de famille de chaque mot pour trouver la lettre finale muette. Toit, long, froid, tricot. Correction de l'exercice. Mets les mots suivants au féminin pour trouver la lettre finale muette. Fort, forte. Alors, c'est la lettre T. Blanc, blanche. C'est la lettre C. Gros, grosse. La lettre S. Chaud, chaude. C'est la lettre D. La deuxième consigne. Donne un mot de famille de chaque mot pour trouver la lettre finale muette. Toit, toiture. C'est la lettre T. Long, longueur. La lettre G. Froid, froideur. La lettre D. Tricot, tricoté. C'est la lettre T.